Salut tout le monde. C'est Carl des Cowboys. Juste une petite minute pour vous dire que à la lumière de l'été qu'on a vécu, des spectacles qui ont été annulés, et des messages qu'on a reçus, de tout l'amour qu'on a reçu, que j'ai reçu par rapport à la situation, que vous avez envoyé. Et il y a beaucoup de messages aussi qui disaient « Prends soin de toi, car un break, toute ta santé. » J'ai décidé de vous écouter, de m'écouter aussi, de prendre un break. Donc, on va annuler l'automne, le spectacle de l'automne, pour que je puisse me concentrer sur mes traitements, ma remise en forme, ma recharge physique, mentale, tout. Donc, pour essayer de vous revenir encore en plus grande forme, plus grande, plus d'énergie. Le show des Cowboys, c'est demandant, c'est... on aime ça quand ça bouge, on aime ça quand c'est... quand les gens chantent, quand les gens dansent avec nous. Et d'aller remettre un peu de jus d'antenne, comme on dit. Puis aussi de donner une chance au traitement de faire leur effet, de continuer à travailler sur les choses qui se passent à l'intérieur de moi, qui sont un peu hors de mon contrôle. Donc, j'espère que vous allez comprendre, que vous comprenez. Je prends aussi une minute pour nos amis de l'Europe. Je sais que vous nous attendez depuis un bout déjà. On n'est pas venu vous voir depuis un certain temps. Donc, ça aussi, malheureusement, on va reporter la tournée d'Europe. C'est pas annulé, c'est reporté. Donc, on sait pas quand exactement, mais on va venir vous voir éventuellement. Et, ben, c'est ça. Je voulais juste vous dire qu'on vous oublie pas, on vous aime. Nous, on va continuer à travailler de notre côté, des petits trucs un peu plus tranquilles, un petit peu loin de la maison. On va continuer à faire des chacs à Jean-Carl, bien assis tranquille dans notre petite ville, un petit peu le village. L'Assomption, ça grandit, c'est beau. Donc, vous pouvez venir toujours, si vous ennuyez de nous autres, venez nous voir dans ce coin-là. Je vous aime. Et merci pour tout l'amour que vous nous avez donné au courant de l'été. Continuez. Et on n'est pas mort encore. On n'est pas mort. On travaille là-dessus. Salut les amis. On va prendre le break plus tard. Mais même moi en chaise. Ça se sent bien, c'est ça. C'est bon. Ça, c'est bon. OK. Vous allez chanter avec moi là, parce que vous êtes une gang, puis avec votre voix, puis toute notre voix, puis ça va être magnifique, OK? On fait ça. Tu te souviens de ce temps où la vie te semblait plus sweet? Tout ça fait déjà un moment. Des fois on perd le beat. Quand pour fortune t'avais 30 sous et que le bonheur tenait dans ta poche, c'était bien avant de comprendre que tout c'est avec la broche. Mais ta tête sur mon épaule. On fait face aux vents d'hiver. Ensemble, on n'a pas de rien. Dis-toi que ce soir, ma blonde, t'es la seule au monde. Je sais qu'on n'est pas seul ce soir. C'est quand on est comme rêve qu'on apprend de la souffrance, ouais, c'est sûrement rien de la psychopathe.
Mais ce soir, je l'ai vu, le mouchoir de larmes dans ta poche. J'aime pas ça, savoir que tu tiens avec ta poche. Mais ta main sur mon épaule, pour que mon amour se fonde, toi qui en a tant besoin. Ça fait 10 ans et des poussières, on fait face au vent d'hiver, ensemble on n'a pas. Du temps qui s'enfuit de nos poches, dans un monde qui partout tient avec la broche. Oui, ce soir, on fait un grand rassemblement au centre-ville de 19h à 21h pour souligner le départ de Karl. On fait ça sur la place publique. C'est un lieu qui est où tous nos grands événements culturels se déroulent. Et cette place publique-là va sûrement porter dans l'avenir, dans un avenir approché, la place Karl Tremblay. C'est un lieu que Karl aimait beaucoup, beaucoup. C'est un lieu festif, c'est un lieu qui rencontrait des artistes. C'est un lieu qui assistait à des spectacles aussi, en plus d'en donner. Puis il y avait un paquet de belles terrasses autour. Karl était heureux sur les terrasses aussi, puis à échanger avec les gens, puis être disponible pour les gens. Fait que c'est un lieu qui lui appartient pour une certaine éternité. Je pense que c'était un homme d'une très, très grande humilité, puis tellement généreux aussi. C'était un homme qui voulait faire plaisir aux gens, qui voulait donner du plaisir, donner du bonheur. Je pense que le Québec n'aura pas connu un aussi grand groupe. Et je salue ses collègues des Cowboys et son épouse, bien sûr, Marie-Annick. C'est un héritage extraordinaire. Et je pense que même Karl lui-même serait étonné de l'amour qu'il recevrait aujourd'hui. Il savait que il ressentait l'appréciation des gens, mais il y a une différence entre être apprécié et être aimé. Et ce que le Québec offre à Marie-Annick, ses êtres proches, c'est de l'amour aujourd'hui. Fait que je pense qu'il aura marqué l'histoire du Québec à sa façon, dans toute sa grande humilité. On est ici pour qui? De qui?
larme qu'il a versée devant la beauté, c'était pour sa femme, pour moi. Parce que lundi soir, tandis qu'il souffrait énormément, je lui ai fait entendre la chanson que j'avais composée pour mes petits choristes d'amour que je mène avec beaucoup de bonheur à l'Assomption. Carl versait des larmes, je dis pourquoi tu pleures? C'est la plus belle chanson de Noël que j'ai entendue de ma vie, ma belle femme d'amour. Je pense que Carl, c'est quelqu'un qui était extrêmement humble et modeste et qui n'a jamais eu la grosse tête. Je pense qu'il serait le premier surpris de tout cet amour qu'on a ici ce soir, qu'on voit déferler depuis hier, partout à travers le Québec, la francophonie. Je pense que ça le dépasserait lui-même. Ça représente une bonne partie de ma vie. Mes enfants ont chanté dès qu'ils étaient petites les premières chansons des Cowboys. Ils sont rendus les fans numéro un. Carl, on pouvait pas manquer cet événement-là. C'est une grande, grande tristesse qu'il soit plus avec nous. C'est quelqu'un d'humble. Il a tout le temps été les deux pieds sur la terre. C'était quelqu'un qu'on pouvait aller voir puis qu'il prenait le temps de te parler, de te jaser. C'est un vide. C'est un géant. C'est dur de remplacer des géants. Ça ne se remplace pas. Son grand cœur, l'amour qu'il nous a apporté pour tous les Québécois, c'est sûr qu'on ne l'oubliera jamais.